Xong anh chơi những cái chỗ. អញ្ញរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាមុននឹងដល់វេទិកាជូនទៅលោកប្រងសរុទៅជាមេធាវីការពីក្តីអង្គជំរះសូមប្រកាសនៅសេចក្តីសម្រាប់មួយនៅសេចក្តីសម្រាប់មួយដែលខាងក្រោមនេះសេចក្តីសម្រាប់កែប្រែការប្រឆេទចំពោះការផ្ដាល់យោបល់លើសំណុំរឿងដែលទទួលបានពីតុលាការយោធា ដោយសារតែមានមូលហេតុមួយចំនួនសំណុំរឿងរបស់តុលាការយោធាទាំងមូលមិនទាន់បានបកប្រែចប់នៅឡើយទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គជំរះសាលាដំបងជឿជាក់ថាផ្នែកដែលមិនទាន់បានបកប្រែចប់នោះគឺមិនមានសារៈសំខាន់ចំពោះអង្គជំរះក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចលើសំណើសុំដោះលែងជនជាប់ចោតឲ្យនៅក្រៅឃុំនោះទេ អង្គជំរះសាលាដំបងដឹងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំរះលើសំណើសុំដោះលែងជនជាប់ចោតគឺត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី 15 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2009 អង្គជំរះទទួលស្គាល់ថាការលំបាកនៃការបកប្រែធ្វើឲ្យភាគីមានរយៈពេលតិចក្នុងការផ្ដល់យោបល់របស់ខ្លួនលើសំណុំរឿងរបស់តុលាការយោធានេះ ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអង្គជំរះអាចចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនបាននៅថ្ងៃទី 15 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2009 អង្គជំរះសាលាដំបងសូមស្នើដល់ភាគីទាំងអស់ឲ្យផ្ដល់យោបល់លើសំណុំរឿងនេះយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមម៉ោង 4 រសៀល ថ្ងៃទី 1 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2009 ជាកិច្ចបន្តអង្គជំរះសូមប្រគល់វេទិកានេះទៅមេធាវីហ្វ្រង់សួរូដែលជាមេធាវីការពារជនជាប់ចោតអញ្ជើញឡើងអាចតសំណួរសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ឌិត Craig Etcheson ដែលជាអ្នកជំនាញសូមអញ្ជើញលោកមេធាវី Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'expert, je souhaite continuer mon déroulement par thème de la lecture de votre rapport et de vos commentaires à l'audience. Je vous indique pour être clair que nous parlerons après de la question, évidemment, des purges. Je suis pour l'instant, vous l'avez compris, sur la politique générale, sur les décisions de politique générale et sur les mises en œuvre de la politique générale. Et je voulais parler maintenant de la communication verticale. Je ne m'étendrai pas beaucoup, on en a beaucoup parlé. Je rappelle tout de même qu'au paragraphe 36 de votre rapport, vous aviez précisé le comité permanent contrôler tout les réseaux de communication du régime du Kampuchea démocratique et toutes les communications étaient organisées selon une hiérarchie exclusivement verticale. C'est ce que vous avez écrit et vous, je suppose que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est ce que vous avez confirmé lors de toutes ces audiences. That's correct. Et vous avez également ajouté cette précision intéressante
les communications de zone, là c'est au paragraphe 56. Les communications de zone étaient organisées verticalement comme la chaîne de commandement et quand elles étaient horizontales, c'était considéré comme une preuve de trahison. Et je ne rentre pas dans le détail, mais vous donnez un certain nombre d'exemples de zones qui, pour communiquer entre elles, devait passer par le centre. Vous pouvez confirmer, éventuellement commenter. Etcheson. Yes, Council. But, I believe that this pattern of strictly enforced vertical communication was the general rule, except in instances explicitly authorized by the operations. Voilà, et donc vous avez précisé à l'audience du 21 mai, en ce qui concerne notamment toutes les lettres de Soumet, vous avez bien dit, donc l'accusé devait rendre compte au sommet de la hiérarchie du PCK, puis par le truchement de Son Sen, coopérer avec les divisions pour aider et procéder à ce qui devenait une purge de grande échelle au sein de l'appareil militaire. Et hier matin, à la reprise après l'audition toute la matinée de l'accusé sur les lettres avec Soumet. Monsieur Alex Bates vous a interrogé et vous avez répondu, selon mes notes, pas selon le transcript, mais selon mes notes, le fait que la communication entre chef de division et S21 devait passer dans une structure verticale, dites-vous, telle que le décrit l'accusé, ce schéma est totalement conforme, ça ce sont vos mots, ce schéma est totalement conforme à la façon dont j'ai compris le strict monopole du PCK au sein du parti, de l'organisation et de l'institution militaire. C'est donc la conclusion que vous avez apportée à la suite de notre audience du matin et de la discussion qui s'est instaurée sur les lettres, sur l'échange de lettres de Soumet AS21 en passant par Son Sen. Vous avez dit, le schéma décrit par l'accusé est totalement conforme à la façon dont j'ai compris le strict monopole du PCK. Je ne me trompe pas. I'm not mistaken. I did not have the opportunity to say anything yesterday morning. Désolé si l'interprétation n'a pas été de ce que j'ai dit. J'ai dit à la reprise, c'est-à-dire en fait en début d'après-midi quand M. Alex Bates nous a interrogé. Yes, then that would be correct. Un autre élément que vous décrivez dans votre rapport et qui ressort aussi de discussions
qui ont eu lieu avec vous dans cette enceinte, et c'est la politique de l'espionnage et de la délation. J'attire votre attention sur les paragraphes 105, 107, 112, 114 de votre rapport. Et je voudrais m'arrêter sur le paragraphe 80. Pardon, 89 d'abord. Pardon, 89. La dernière phrase. Les schlop, et vous avez défini cela précédemment comme des milices, les schlop espionnaient également les citoyens dans le but d'identifier les éventuels dissidents. À la tombée de la nuit, les soldats en patrouille et les espions schlop de Chemkal venaient dans le village pour se cacher sous les maisons et écouter ce que les membres de la famille se disaient. Vous ajoutez au paragraphe 45 le contrôle permanent des biographies. Et vous dites, les comités de zone recueillaient et examinaient régulièrement les biographies personnelles que chaque membre du parti était tenu de préparer, de mettre à jour et de soumettre au parti. On vous dit encore au paragraphe 83, les autorités de la commune étaient également chargées de compiler les biographies des habitants de leur zone et de remettre ces biographies au niveau du district pour examen en vue de rechercher les ennemis. Seriez-vous d'accord avec moi pour appeler cela un état policier, au sens le plus vrai du terme? Et j'ajouterai au sens le plus tragique du terme. Alors, ma question après ce survol est celle-ci. Vous êtes d'accord avec moi, je suppose, pour dire que toute cette politique dont nous parlons depuis une heure a été mise en place par les dirigeants du PCK très tôt, vous avez dit avant même le 30 mars 1976, sans que Bouc n'ait pris le moindre rôle dans la détermination de cette politique. I'm not certain, counsel, that this can be said. There are periods of time between the beginning of the regime on 17 April 1975 to establish S21 on 15 August 1975.
21 នៅថ្ងៃទី15សីហា75នោះខ្ញុំមិនអាចនឹកអឃើញអត់បានច្បាស់លាស់អំពីសកម្មភាពជាក់លាក់ណាមួយរបស់ជនជាប់ចោទនោះទេដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើគាត់នឹងអាចឬក៏បានមានតួនាទីបំពេញតួនាទីអ្វីនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះAlors, le François Roux. Monsieur l'expert, est-ce que l'accusé a jamais été membre du comité permanent du PCK? Il me semblait avoir lu dans votre rapport que c'était le comité permanent qui décidait des politiques. Indeed it is. Je vous remercie. Look, François Roux, Massam Okun.Alors, venons-en aux, aux purges. Alors, nous avons un peu de temps pour nous faire un peu. Je crois pouvoir dire, avec votre autorisation, que l'on pourrait distinguer pour la clarté du raisonnementles purges générales qui échapperaient à tout contrôle de l'accusé et les purges dont vous avez parlé ce matin et nous allons en discuter que sa méthodologie aurait pu contribuer à rendre possibleIl me semble qu'il y a deux catégories. Je ne veux pas vous obliger à répondre tout de suite. Je vous expose le plan de mes questions pour vous mettre à l'aise. Alors, moi je lis dans votre rapport ce que j'appellerai les purges générales.Et vous dites au paragraphe 80, alors que les personnes accusées de ne pas respecter le plan dans les communes et brigades mobiles pouvaient être identifiées comme des suspects par les dirigeants de la commune, leurs exécutions se faisaient généralement au niveau du district.À d'autres occasions, les présidents de district ordonnaient aux forces de sécurité des communes, les schlops, de procéder aux exécutions des traîtres suspectés. Les responsables de district ordonnaient également.L'arrestation des cadres des communes et des coopératives accusés, par exemple, d'être des agents de liaison vietnamiens. Monsieur l'expert, à votre avis, est-ce que Duc, dans la position qui était la sienne à S21,a pris quelque part que ce soit aux purges que vous décrivez au paragraphe 80 de votre rapport. In terms of
physical participation or in terms of directly ordering? No, I do not, at least insofar as we're concerned with our period of temporal jurisdiction. Merci. Je poursuis en rappelant à ce stade votre paragraphe 63 dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la citation terrifiante du drapeau révolutionnaire éliminé encore et encore sans relâche. De sorte que les forces du parti soient pures, que nos forces dirigeantes à tous les niveaux et dans toutes les sphères soient toujours propres. Vous dites encore, en ce qui concerne les ennemis, au paragraphe 25 de votre rapport, la politique du parti exigeait que les membres du comité central se familiarisent avec la réalité de la situation au niveau du district et veillent, entre autres choses, à ce que les cadres locaux procèdent scrupuleusement à l'élimination des contre-révolutionnaires. Et vous ajoutez encore, vers la fin de 1977, le parti a demandé un examen de la façon dont les secrétaires de district s'acquittaient de leurs tâches et l'élimination de ceux qui ne donnaient pas satisfaction. Ne donnaient pas satisfaction notamment ceux qui manquaient de vigilance vis-à-vis des mauvais éléments et des ennemis cachés dans la population. Et si j'ai bonne mémoire, ce matin, vous nous avez expliqué que selon vos recherches, les membres du comité central allaient même aller dans les districts pour vérifier la mise en œuvre de ce que vous appelez la politique du parti. Même question que tout à l'heure, est-ce que pour toute cette politique à la base, telle que vous la décrivez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que tout cela échappe à la compétence de I do not agree. Look at yourself. You may recall some time ago now, I'm afraid. I don't remember which day precisely. But when I was being examined by Judge Cartwright, she asked me if there was some particular period when there was a higher than usual number of arrests of district level cadre. And in response to her question, I discussed in particular the purges of the Northwest Zone and the East Zone.
When a very large number of district level cadres found themselves at S21. I believe the process of those purges is directly connected to what I am discussing in the paragraph to which you refer. Ne vous inquiétez pas, nous allons aborder cette question. Mais il me semblait que quand vous parliez au paragraphe 25 et que vous parliez des ennemis cachés dans la population, vous ne parliez pas des purges à partir du centre, mais j'enregistre votre réponse. Et dans le même sens, au paragraphe 79, vous rappelez, ce doit être le milieu de paragraphe, le centre du parti encourager le processus incessant de recherche et d'élimination des ennemis suspectés à tous les niveaux de l'organisation. Et vous citez « Examiner dès lors les coopératives et les districts, il faut prêter attention à l'examen de ces deux niveaux parce qu'ils sont côte à côte avec le peuple. Les autres niveaux doivent également être examinés. Ce sont des vers dans notre chair qu'il faut déloger. » Alors, il me semble que tout ça est extérieur à Douk, mais si vous n'êtes pas d'accord, merci de me le dire, et je passe tout de suite à la question suivante, parce que nous devrons aborder cette question de front. Yes, indeed. I believe that the constant exhortations by the party center to purify the party organization through the purge of various forms of traitors characterized in this quote as maggots in our flesh. I believe that S21 was a central axis of that effort to dig out the maggots. Alors, on arrive à la question, ou aux questions, que vous avez très bien exprimé hier. Et comme je le disais, on va les prendre de front, puisqu'elles méritent quelques explications. Avant ça, j'ai quand même encore besoin de vous poser deux, trois questions. Tout à l'heure, Maître Karsavut vous a demandé des précisions sur le nombre de centres de sécurité, sur les autres centres de sécurité, pardon, du Kampuchea démocratique. Alors, est-ce que vous pourriez donner à la Chambre une idée du nombre de ces centres de sécurité sous le régime du Kampuchea démocratique? Certainly, Council.
Unless there was a difficulty with the translation, I do not believe your co-counsel ever asked me about the number of security offices. On the case file at ERN 00194821 through 00194829 with the case file document number D92-1, and this is the English version. I'm sorry, I don't have the ERNs for the French or Khmer versions at the tip of my tongue. It's a document dated 23 August 2006, entitled DK Prisons. It's produced by the Documentation Center of Cambodia, and it is a list of Democratic Cambodia security offices that they have identified in their research. It shows 195 DK security offices in various places around the country. I am aware that since then, the Documentation Center has identified some number of additional security offices that are not included in this list. In addition to that document, also on the case file at ERN 00-0-0-8-0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 -
which is excerpted on the case file, one case file, at, in the English language version, 00271 75 76 through 00 21 75 78. In the French version, it is at 00 29 27 76 through 00 29 28 02. And in the Khmer version, ERN 00 23 33 82 through 00 23 34 28. I'm sorry, but I don't have a case file document number. Nonetheless,
This item is a report on security offices in Sisupon and Bottom Bung that was prepared by a French scholar named Henri Ducard at the request of the Office of the Co-Prosecutors. This excerpt is part of a much larger report, most of which is not on case file one. And it describes a number of security offices that are not included in the list published by the Documentation Center. Finally, in the course of the preliminary investigations by the Office of the Co-Prosecutors and the judicial investigations by the Office of Co-Investigating Judges, I believe that we have discovered a number of security offices that were not identified either in the research by the Documentation Center of Cambodia or in the research by Henri Ducard. I have not had time, unfortunately, in the last couple of years, to take all of this material and compile it together to make a new list in order to identify exactly how many security offices we now know of. But it is substantially more than the 200 or so identified by the Documentation Center of Cambodia. Puisque vous parlez du rapport de DCCAM, j'imagine que vous avez connaissance de la classification malheureusement bien morbide établie par DCCAM selon le nombre de victimes. I am aware of that work, Council. Yes. Pouvez-vous dire à la Chambre combien de morts sont envisagées, on va dire, par DCCAM pour celui qui est en, le centre de sécurité qui est en tête de liste? Et pouvez-vous dire à la Chambre, dans cette comptabilité macabre, à quelle position DCCAM a cru que se trouvait S21? Council, I would have to preface any such discussion by noting that when the Documentation Center of Cambodia began this work, it had no experience and was unable to find a precedent from other countries for such a task as attempting to survey what turned out to be tens of thousands of mass graves. So there was a steep learning curve in the early years of what turned out to be a more than decade-long project.
As a result, I consider that some of the data regarding numbers of victims in the first years of this research project has to be considered unreliable. And indeed, to answer your question, if I can find a specific instance, yes. It's a site in Kampong Chom province in Krochmar district, a place called Kopal, where it is suggested in the documentation center data that there were 510,000 victims. Frankly, I do not consider this data reliable. And if I was reworking the data, I would change that to unknown. The second part of your question concerns Phnom Penh. And the Documentation Center of Cambodia data for Tool Slang suggests 15,000 victims. Could we have the ERN number and case file Alex number of the document to which the witness is referred? I regret to inform the co-prosecutor that I neglected to obtain a ERN number for this document. I can provide that to the chamber at the earliest opportunity. The document in question is called Documentation Center of Cambodia Burial. And it appears to be undated. Monsieur l'expert, je vous remercie des réserves que vous exprimez sur les travaux de DICICAM. Je suis sûr qu'elles iront droit au cœur de M. Yang Chuk. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question était précise, avez-vous connaissance du tableau établi par DICICAM? Et si oui, pouvez-vous nous dire quelle est la prison marquée en numéro 1 et le nombre de victimes? Et à quel numéro dans cette comptabilité macabre DICICAM a-t-elle placé S21? C'est une question simple. Est-ce que vous pourriez nous donner, puisque vous faites référence à un document, est-ce que vous avez les références? Non, c'est une information qui a circulé comme beaucoup d'autres venant de DICICAM. Si l'expert connaît, il connaît. S'il ne connaît pas, il nous dit « je ne connais pas ». Mais je crois qu'il y a des éléments. Mr. President, I don't know whether the defense are attempting to introduce new evidence on the case file.
ខ្ញុំអាចសុំលេខអ៊ីអ៊ិននឹងក្នុងសំណុំរឿងបាទដោយតាមចូលតាមផ្លូវក្រៅឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទតែគាត់ធ្វើដូច្នេះមិនមែនគឺបាទតែគាត់ចង់បង្ហាញខុសតាមមិនមែនទៅធ្វើដាក់តាមលក្ខណៈជាផ្លូវការដើម្បីដាក់តាំងនៅចំពោះមុខអង្គសាវនាការ But this appears to the co-prosecutor Absolument pas. J'interroge l'expert sur ses connaissances. Il a connaissance? Oui, il le dit. Il n'a pas connaissance? Non, il le dit. C'est pas compliqué. Je ne cherche pas à introduire un document. J'interroge un expert sous serment. A-t-il connaissance de la comptabilité établie par Digicab? Oui ou non? Counsel, that would be no. Look, Craig Etcheson, but no matter where you came out, man, don't they? C'est tout simple. Look, François Roux, but we're through the pan, don't they? Alors, pour pouvoir venir à cette question de fond dont nous parlons, je veux encore rappeler ce que vous avez dit en audience. Sur ce que vous avez appelé l'obéissance, vous avez indiqué le PCK a établi l'obéissance, la discipline telle que définie par la ligne du parti. Les cadres faisaient de leur mieux pour mettre en œuvre la ligne politique. C'est bien ce que vous avez dit, monsieur l'expert. I believe I did say something to that effect. Est-ce que, selon votre avis, Duc faisait partie des cadres qui faisaient de leur mieux pour mettre en œuvre la ligne politique? Vous avez dit ce matin que Duc avait accès à des dirigeants importants du PCK. Pourriez-vous préciser? Yes, counsel. Duc had access at various times to Son Sen and Nguyen Chea, both members of the Standing Committee, several other members of the Standing Committee, and an unknown number of members of the Central Committee, and a wide variety of zone and sector leaders were all interrogated under the supervision of the accused person in the process of those interrogations. I believe that the accused person would have learned a very great deal about the structure, operations, and policies of the CPK on a nationwide basis. D'accord. Donc la clarification, quand vous dites qu'il avait accès à des dirigeants importants, vous parlez des deux personnes qui étaient ses supérieurs, d'abord Sun Sen, ensuite Nguyen Chea, c'est bien cela. Yes, and I was also referring to other senior leaders that he interrogated in great detail. D'accord, mais les dirigeants haut placés qu'il a interrogés, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'au moment où il les interrogeait,
il n'avait plus beaucoup de pouvoir sur la ligne politique du PCK. Cela, au moment où il les interrogeait. Oh yes, there is no question. They were nearing the end of their careers. Une autre précision. Vous avez dit ce matin, répondant à des questions de mon confrère Werner, que Duc avait participé à l'élaboration de listes de traîtres. Et sur une question, quand il vous a demandé un chiffre, je crois que c'est vous qui avez répondu plus de 1000. Je crois qu'il faudrait être plus précis. De quoi parlons-nous exactement? Est-ce que c'est plus de 1000 confessions qui contiennent des listes de traîtres, ou bien voulez-vous dire que Duc lui-même aurait établi de sa propre main 1000 listes de traîtres? If I recall correctly, counsel, my conversation with counsel for the civil parties this morning on that subject, I described two different kinds of lists of traitors. One type of list was that which was written down by victims in the process of preparing their confessions. Another type of list was more of an analytical product created by the accused person or his interrogators or other staffers under the control of the accused person. And what I meant to convey is that in total there were a very large number of such lists, perhaps numbering 1,000 or more. Vous souvenez-vous combien de listes établi de la main de l'accusé, vous auriez vu? No, counsel. I have never attempted to tally up a specific number. Alors, monsieur l'expert, vous avez effectivement dit hier, à la fin de votre audition, répondant à la question d'une des parties civiles sur le pouvoir de décision de l'accusé, vous êtes allé beaucoup plus loin que ce que vous avez écrit dans votre rapport. Et c'était, nous l'avons tous compris, l'objet des questions que vous a posées brillamment Maître Werner ce matin. Vous avez dit ceci, c'est le cœur de la question qu'aura à trancher cet échange. D'une part, les purges ont été le résultat de la paranoïa du Parti communiste du Kampuchea. D'autre part, on pourrait dire qu'elles ont été le résultat de la méthodologie utilisée par l'accusé pour chasser les ennemis. Je ne sais pas si c'est le mot propre, mais c'était bien l'idée. Et ce matin, pour répondre à une question de mon confrère Maître Werner, vous avez encore rajouté cette précision, disant que c'était
en ce qui concerne la paranoïa, que c'était un phénomène bien connu des analystes, le système en boucle, le système s'alimente lui-même, disons, s'auto-alimente. Monsieur l'expert, vous avez évidemment conscience que vous portez là une appréciation extrêmement importante et parfaitement nouvelle par rapport au contenu de votre rapport. J'ai deux questions. D'après vos recherches, quels sont les éléments qui peuvent étayer cette deuxième affirmation que vous avez pris quand même le soin de mettre au conditionnel? On pourrait dire que ces purges ont été le résultat de la méthodologie utilisée par l'accusé. Donc, quels sont les éléments précis qui étayeraient cette affirmation pour vous éclairer sur le sens de ma question? Nous avons parlé de la politique du parti, qui était, me semble-t-il, totalement indépendante de ce que pouvait faire Duc. Nous avons parlé de la terreur, nous avons parlé de l'obéissance absolue. Alors, pour illustrer ma question, en quoi la méthode ou la méthodologie utilisée par Duc serait-elle différente de la ligne imposée par le PCK? Et en quoi cette méthodologie relèverait-elle d'initiatives propres et personnelles? Thank you, Counselor. A very interesting question. Indeed. First of all, I think I would offer one brief amendment, perhaps a translation issue. What I just heard from the translation of what you said was that you asserted when I was discussing this issue, I had referred to methods that the accused person used. I believe, if I recall correctly, what I actually said was methods that were devised and enforced by the accused person. And this begins to get at your question. My understanding, based on long study of democratic Kampuchea in general and the operations of S21 in particular, as well as what came before S21 in the evolution of the organization's methods of identifying searching for enemies. My understanding is that the accused person was very much an innovator, a creator, a developer, and an institutionalizer of the method of making very detailed confessions.
ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលដ៏វែងអន្លាយនោះ អំពីមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងស្រីទាំងប្រុសក្តីដែលពួកគាត់ធ្លាប់បានជួបពីមុនមកទោះបីជាពួកគាត់មិនចាំឈ្មោះក៏ដោយ ពេលនោះខ្ញុំអាចឃើញថាគឺជាការពន្លាតដល់ច្រើនទៅលើចំនួននេះដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាជនក្បត់នេះ That caused this methodology to result in such a large number of victims. This is why I proposed an answer to that question that, on the one hand, the policies of the Standing Committee certainly played a role in the unfolding of this tragedy. តែតងទៅនឹងចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដំណើរគ្នានោះដែរ Avait-il le choix? T'as pour qu'il m'ait une rédarité? As I suggested before, one always has choices in life. Bocol croup rook tied the mention rêve. Et vous êtes d'accord avec moi? Hein, l'eau qu'on va en aller toujours en vie? Notre gagnant est que t'as encore le mirorien médiéval. Yes, he is. Lo, Etcheson, ba, kot na ru rian min chivit men. Alors, Mr. President, I apologize for interrupting Maître Hu. Lo, sa pri anya. But tae taw tae nang awai dai lo Francois Roux ban leuk laeng, khnyom man mien bomnong impression to be ka thu ai chap arom dai kon charom testimony. ទៅលើចម្លើយសកម្មការរបស់អ្នកជំនាញនេះទេ way. Namely, escape. Monsieur le Président, l'heure n'est pas aux réquisitions. Monsieur le Procureur fera son réquisitoire qu'on me laisse continuer à poser mes questions à l'expert. Je ne vois pas ce qui autorise le Procureur à venir donner son opinion au milieu de l'interrogatoire de l'expert par la défense. Je voudrais poursuivre. សូមអញ្ជើញលោកមេធាវីបន្តសំណួរតទៅទៀត
Monsieur l'expert, vous avez parlé de pouvoir d'innovation de l'accusé. Ça sonne curieusement à mes oreilles dans l'organisation que vous avez minutieusement décrite du Kampuchea démocratique. Je n'ai pas eu l'impression que du haut jusqu'en bas de la chaîne, quelque cadre que ce soit, pouvait se permettre des innovations sans qu'elles lui aient été très fortement demandées par sa hiérarchie. Alors, monsieur l'expert, ce sera ma dernière question. Je considère pour ma part que le meilleur terme applicable à S21, c'est de dire qu'il était sous tutelle absolue, pour vous reprendre vos propres termes, absolue, des supérieurs hiérarchiques. Et je vais vous demander de vous livrer en tant que chercheur indépendant à un tout petit exercice intellectuel. Vous aviez parlé au conditionnel. On pourrait dire que les purges ont été le résultat de la méthodologie conçue et mise en pratique par l'accusé pour chasser les ennemis. Je m'adresse aux chercheurs. Quels seraient les éléments de l'antithèse à partir de ce que vous connaissez du fonctionnement interne du Kampuchea démocratique? Quels sont les éléments qu'un chercheur indépendant mettrait en avant, et vous êtes un chercheur indépendant, pour dire qu'au contraire, Douk n'a fait qu'appliquer scrupuleusement, et je veux bien reprendre votre terme et avec zèle, la politique qui lui était demandée par ses supérieurs? Monsieur le chercheur, je vous écoute. I would refer back, counsel, to my earlier discussion of the Khmer Rouge term of art known as independence mastery. This concept included the idea that cadre were supposed to be able to master whatever challenge they are given using creative and innovative means which are consistent with existing party lines to retain the desired policy ends. And perhaps I would also amend the verbal construction of my earlier statement from "we could say" to "I would say". Vous me diriez qu'un chercheur ne doute pas? Je croyais que précisément les chercheurs doutaient. I always have doubts. Doubts about many things. And probing those doubts is how we learn. And by probing such doubts, that's how I came to the conclusion I'm offering to you today.
conclusion qui n'était pas dans votre rapport. Nous sommes d'accord. Yes, anyone who has examined this report will quickly see the overview of the Et donc les éléments qui ont fondé votre conclusion d'aujourd'hui proviennent de ce que vous avez appris depuis votre rapport et donc pendant la procédure d'instruction. Oh no, counsel, that's an invalid logical conclusion. It's simply that. S21 is not the topic of that report. Je veux bien entendre cette réponse. Avant que nous terminions, monsieur l'expert, je suppose que vous avez fait le petit schéma que je vous avais demandé. Est-ce que vous pourriez, en deux minutes, nous le présenter à l'écran, si vous l'avez à l'écran? Your Honors, the court officer has made copies of this diagram, I believe. However, I would like to inform the court that I am not an artist, nor am I a trained draftsperson. Further, the time available for this task was short. So I apologize in advance if my drawing is a bit ugly. Merci pour ce travail, monsieur l'expert. J'ai quand même une première réflexion qui ne vous étonnera sans doute pas. J'ai un peu de mal à comprendre. Alors que hier, pendant les questions qui vous étaient posées, vous avez très clairement répondu que hiérarchiquement, Duc était au-dessous des différentes divisions. Vous persistez dans votre schéma à le mettre au-dessus, mais ça va naturellement avec les conclusions que vous venez de nous présenter, sur lesquelles vous me permettrez d'avoir quelques réserves quand je vois ce schéma. Je vous remercie, monsieur. Mình khơi như thế này, bây giờ cái gì? Ok. Bạn đã khơi nhé, xong xong mình chơi, được, mình định.
Thank you, Mr. President. Look at the sun, some are going to look protein. Before we broke for lunch, counsel for the defense asked me to combine two charts that, in my view, do not combine very elegantly or provide a particularly informative result and what you are viewing on the screen is the result of that request from counsel for the defense. This diagram consists of the chart of the government, which we have previously discussed in these hearings. With added information on organizations that were subordinate to the general staff, including nine military divisions, three independent regiments, and two officers of the general staff. This was what I understood to be the request of counsel for the defense. Voilà. Monsieur le Président, effectivement, la défense avait demandé à ce que ce tableau soit complété. Merci à Monsieur l'expert de s'être soumis à ce petit travail. Mais c'est vrai que la défense avait à l'esprit vos déclarations, Monsieur l'expert, hier, je crois, indiquant que quelqu'un vous a posé la question et vous avez répondu que oui. Toutes ces personnes qu'on voit dans le dernier cadre en bas, le secrétaire de division, et notamment M. Soumet, étaient des supérieurs hiérarchiques à Duc. Or là, je les vois en bas du tableau, ça me gêne. De la même manière, c'est vrai que j'aurais aimé voir apparaître ce qui est au paragraphe 109 de votre rapport, l'état-major de l'armée révolutionnaire du Kampuchea. On apprend quand même beaucoup de choses. Dans votre graphique de l'état-major de l'armée révolutionnaire du Kampuchea, on voit Son Sen président, Sietche vice-président, exécuté en 77, Tamok chef, Chankatre vice-chef, et puis il y a un certain nombre de membres de l'état-major de l'armée révolutionnaire du Kampuchea. J'aurais aimé le voir là. Chek Khmer, exécuté en 78, Soumet, toujours vivant, So Sarun, exécuté en 98, Mesmut, toujours vivant, Katren, toujours vivant, Son Ti, toujours vivant. Ça, c'est au paragraphe 109 de votre rapport. Alors, je ne comprends pas. Vous venez de répondre à ma question en disant que votre rapport, au moment où vous l'avez fait, était un rapport général qui ne portait pas spécifiquement sur S21. Or, dans un des tableaux, vous mettez S21 à une place qui n'est pas la sienne et vous omettez dans ce tableau un certain nombre de personnes qu'on aurait aimé y retrouver à leur juste place. Voilà. J'ai oublié de vous dire une chose. Je n'aime pas et je n'ai jamais aimé les boucs émissaires. Mr. President,
that is that last remark, not the last and penultimate one, by Mr. Rue. Was that a question to the expert? Because if it was, it should be allowed, a response should be permitted. If it wasn't, it was a comment. I would invite the president to allow the expert to reply to that. Et vous-même, vous avez posé une question tout à l'heure à l'expert dans votre intervention, mon collègue. Vous avez affirmé qu'il y avait une troisième voie, ça vous regarde. Alors de la même manière, ça me regarde de dire que je n'aime pas qu'on prenne quelqu'un pour un bouc émissaire. I don't wish this to turn into a game of ping-pong, but I was inviting the President to ask a question of the expert witness for his expert opinion on the methods that were available to CPK Cadre. And I invite the witness to be asked. If it is troubling to the defense that question, if not, I invite the President to allow the witness to respond to what appeared to the co-prosecutors to be a lengthy observation in the form of an implied question. លោកមេធាវីការពារក្តីលើបញ្ហាការគូសតារាងនេះហើយពាក់ព័ន្ធនឹងតារាងដែលបានគូសហើយនេះសូមលោកបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីការសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាងដែលបានបង្ហាញដោយអ្នកជំនាញហើយច្បាស់លាស់ហើយប្រសិនបើលោកមានសំណួរឬក៏គ្មានសំណួរគឺសូមធ្វើឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីយើងអង្គជំរះយល់បានអំពីបញ្ហានេះហើយថាតើវិធីបន្តទៅទៀតនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងសមនាការនឹងតាមបែបណាទៅ លោកមេធាវីប្រុងសរុមានសំណួរអ្វីទៀតទេដែលត្រូវសួរដល់អ្នកជំនាញរូបនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធដែលលោកសុំឲ្យអ្នកជំនាញគូនេះបើមានសូមអញ្ជើញសួរបន្តទៀតបើគ្មានសូមប្រាប់ថាគ្មានដើម្បីអង្គជំរះមាន Non, merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie. ແມ່ນຈຳນວນໄວ້ຕຶຊູດອນແນ່ຈຸມເນຍຮູບນີ້ບັນຕໍ່ຕິດຕິມັນຖາມຕິດຕິບັດເຄມຕິປີລີສໍາລັບຣັດຊຽນີ້ຈອບສົບຄົບໃຫ້ អ្នកបច្ចេកទេសសូមបង្វែររូបភាពនៅប្រកបដោយភាពឡើងវិញហើយអង្គជំរះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកមនិតក្រេកអេសិនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកផ្ដល់សក្ខីកម្មហើយការចំណាយពេលវេលារបស់យោគលោកគឺអស់ពេលច្រើនហើយនឹងប្រកបទៅដោយភាពអត់ធ្មត់ដែលគួរឲ្យសរសើរហើយអង្គជំរះសូមប្រកាស សមនការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយសមនការនឹងលើកយកទៅបន្តនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ 2009
hay thom chomriep dop phieki phong dae tha samnaka banto noh jeung nang sua samnaka sua daing dol teu leu chun chop chaut doy phieki ampi ong het tieng pi keu ong het dael leu ka anuvat koul yobai pak komnis kampuchea dael phieki ban sna som leung mun hay dai sa jeung chuop thveu samnaka leu neak chumnieng lohot dol pi rup dael teu chumnai pe vilie chran hay nang ong het muoy tiet keu dae chumluoh badap avut dael jeung mon ton ban thveu ka daing dol chompuh chun chop chaut nei lai អនុរៈមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំជនជាប់ចោទទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងវិញហើយឲ្យនាំគាត់មកកាន់សាលាការតាមការកំណត់ដូចអំបញ្ញមិញនេះ